Merci de m'accueillir parmi vous. Comme vous allez le voir, on est plutôt le travail et les travaux sont plutôt en sciences humaines, donc je vais essayer de ne pas trop jargonner pour qu'on puisse échanger, discuter ensemble et aborder des questions qui ne concernent pas seulement les sciences humaines, mais dont on se rend compte à travers différents projets de recherche que ça concerne l'ensemble des collègues enseignants-chercheurs. Et d'ailleurs, au mois de juillet, j'avais été invitée au colloque de physique sur enseigner la physique à l'université. Je dois dire que il y a eu un grand moment de panique à ce moment-là, moment de panique que je revis encore en ce moment en me disant est-ce que je vais être suffisamment limpide et pas rester dans mon domaine. Donc vous n'hésitez pas à m'interrompre si les termes que j'emploie sont trop propres à mon domaine et à ma discipline, ou en tout cas aux disciplines que je convoque. Donc, ce que je vous propose pour aborder cette question de ce qui se joue sur le plan identitaire pour les enseignants-chercheurs dans leur pratique, notamment d'enseignement, c'est trois temps. D'une part, peut-être essayer de voir comment les enseignants-chercheurs se représentent les apprenants. Ensuite, voir ce que ça suscite, ces représentations comme tensions identitaires, et identifier des pistes de dépassement de ces tensions identitaires-là. Mais avant d'aborder ces trois points, peut-être deux éléments de préambule pour vous dire d'où je parle. Deux axes et deux projets de recherche. Un premier projet qui est en fait scindé en deux, donc qui a démarré en 2008 et qui s'est terminé en 2016, qui porte sur l'impact des outils numériques dans le rapport au savoir des universitaires. Sur les deux projets de recherche, ça représente à peu près 200 enseignants-chercheurs qui ont été sollicités, soit pour des entretiens, soit dans le cadre de leur pratique en ayant été filmés, puis après en autoconfrontation croisée avec leur pratique pédagogique, qui ont été sollicités également par questionnaire, mais sur les deux projets, on est à peu près sur un périmètre de 200 enseignants-chercheurs. Ce projet de recherche a été réalisé avec des collègues, on était donc de deux laboratoires différents, l'un en sciences de l'information et de la communication et l'autre en sciences de l'éducation, et porté par la Maison des sciences et de l'homme de Lorraine. Sur ces projets, on était à peu près une douzaine d'enseignants-chercheurs et on a travaillé de manière interdisciplinaire, transdisciplinaire. Et donc, ça a suscité, comme vous l'imaginez, beaucoup de débats et de discussions parce qu'il s'agit de s'accorder à la fois sur les objets, en même temps sur les méthodologies et en même temps sur ce que l'on va décider d'explorer, le comment et les finalités. L'autre projet concerne un périmètre plus restreint et est centré sur l'Université de Lorraine, sur les pratiques pédagogiques des enseignants-chercheurs en Lorraine, et qui a débuté par une première phase d'analyse des besoins et qui se poursuit là par une démarche de recherche-action-formation pour que ces enseignants-chercheurs qui ont participé à la première phase puissent voir comment ils ont le désir d'accompagner éventuellement d'autres de leurs collègues, et pas forcément dans leur discipline, dans le développement de certaines pratiques pédagogiques. Et bien évidemment, ça fait écho à qui ils sont, donc à leur identité à la fois en tant qu'enseignants et à la fois en tant que chercheurs. Donc c'est à travers ces deux projets qui se subdivisent à chaque fois en deux morceaux que je vais essayer de partager avec vous certains éléments et de retours sur qui on est en tant qu'enseignant-chercheur, qu'est-ce que ça questionne le fait d'enseigner quand on est à l'université. Deuxième préambule, là non pas méthodologique, mais conceptuel, et je vais essayer d'être assez rapide sur le sujet. Le préalable, en fait, à la démarche, c'est de considérer que quand on construit son identité professionnelle, on ne le fait pas seul, on le fait à travers deux formes qui vont s'articuler, ce que Dubar appelle en fait la double transaction. D'une part, la transaction relationnelle, c'est-à-dire ce que je vais négocier de qui je suis avec les autres et comment les autres me voient, comment je me vois, et donc comment on négocie cette double vision, donc que ce soit avec des collègues, que ce soit avec des étudiants, des apprenants, des représentants institutionnels, des administratifs. Donc il y a cette phase, cette partie de transaction relationnelle, et il y a également une autre partie dans la construction identitaire selon Dubar, qui est une transaction biographique qui concerne à la fois la manière dont je me vois et
dont je me vois aujourd'hui, dont je me vois demain, et comment j'essaie de négocier entre ce que j'étais, ce que je suis, et comment ça s'articule l'un par rapport à l'autre. Ce que Dubar dit, c'est qu'en fait, nos identités socioprofessionnelles sont la rencontre de ces deux transactions-là. Et donc, dans les processus de construction de nos identités, on est dans la nécessité toujours de renégocier entre à la fois qui on est pour soi-même, qui on est pour les autres, comment les autres nous voient et comment on a envie d'être vu et comment on se projette sur l'avenir. Et donc, ce que je vais essayer de partager avec vous aujourd'hui, c'est comment, à travers notamment l'utilisation du numérique, ces questions identitaires se sont particulièrement révélées et se sont exprimées dans les pratiques pédagogiques. Alors, premier aspect, c'est les représentations qu'ont les enseignants-chercheurs des apprenants. Alors, peut-être petite digression quand même, pourquoi est-ce que j'emploie le terme apprenant? Parce que le terme étudiant renvoie plutôt à des statuts et à un statut notamment de formation initiale et ne recoupe pas forcément les personnes en formation continue, en formation permanente, ce qui pose tout un tas de questions aussi sur qui apprend au niveau de l'université. Donc si j'ai fait le choix du terme apprenant, c'est pour un peu neutraliser des statuts administratifs et aussi donner à voir que ce n'est pas si simple pour les enseignants-chercheurs que de savoir qui sont ceux qui apprennent. Et donc ça, c'est le premier point, c'est-à-dire qu'à travers ces différentes recherches, le premier élément qui est quand même très, très récurrent auprès de l'ensemble des collègues, c'est un manque d'informations sur qui sont ceux qui viennent apprendre. De manière plus spécifique, c'est qui ils sont en tant que sujet adulte, parce que même si ce sont des personnes en formation initiale, pour autant, ce sont d'abord des adultes, d'abord des citoyens, d'abord des sujets sociaux, et on voit que de manière globale, les collègues ont très très peu d'informations sur qui ils sont. Ils ont des groupes, et même pour les collègues qui ont été interviewés, qui intervenaient plutôt en master, et qui peuvent avoir des groupes restreints, la connaissance des parcours antérieurs de la vie sociale et de la vie citoyenne des sujets apprenants est quand même amplement méconnue. Ce qui conduit souvent les collègues à opérer trois types de catégorisation par rapport aux apprenants, parce qu'ils ont aussi besoin d'arriver à se situer par rapport à eux. Il y a une première catégorisation qu'on pourrait qualifier de catégorisation sociale, c'est: est-ce qu'ils sont dans la catégorie des étudiants en formation initiale ou en formation continue? De quels milieux sociaux est-ce qu'ils viennent? Voire de quel lycée ou de quel environnement ou de quel territoire, qui conduit à faire des hypothèses sur éventuellement leurs attentes, sur éventuellement leur capacité d'apprentissage, sur éventuellement leur projection en termes d'avenir. Donc il y a cette première catégorisation sociale qui est très présente auprès des collègues. Autre catégorisation des apprenants, c'est sur la différence qu'ils font entre les niveaux de formation. On a plutôt tendance, dans les analyses qu'on a faites, on voit que les collègues ont plutôt tendance à considérer que des apprenants de niveau licence auront moins de capacité de conceptualisation, moins de capacité d'analyse ou de réflexion par rapport à des étudiants de master. Ces éléments-là, quand on leur demande comment ils le savent, et comment ils peuvent, sur quoi ils s'appuient pour l'identifier, en fait, c'est là que l'absence de réponse devient assez révélatrice. C'est s'appuie souvent sur des résultats d'examen, sur des échanges qui ont été produits au cours des TD. Mais pour autant, quand on leur demande s'ils ont des pratiques similaires entre les TD de licence et les TD de master, en fait, on se rend compte que les formes d'intervention qu'ils vont avoir en master ne sont pas les mêmes qu'en licence. Donc, qui permet de se demander si ce qu'ils infèrent des pratiques d'apprentissage des apprenants en licence sont liées aux pratiques d'apprentissage des étudiants ou si c'est lié aux pratiques pédagogiques qu'ils développent. Et là effectivement, c'est difficile de pouvoir avoir des éléments de réponse. En tout cas, cette catégorisation est très prégnante. Ils ne parlent pas de la même manière des étudiants qui sont en licence que des étudiants qui sont en master. Dernière catégorisation qui va être relativement forte, c'est les habitus liés au diplôme.
En fonction de la discipline ou en fonction du niveau de diplôme, on se rend compte que les collègues vont dire bah, pour des étudiants qui sont dans ce type de master, ils apprennent plutôt de cette manière-là. Pour des étudiants qui sont dans ce type de master, ils apprennent plutôt de cette manière-là. Ce qui les conduit même parfois à considérer que dans des masters à visée plutôt professionnalisante plutôt que de recherche, ils ne se sont pas posé la question ou ils ne se posent pas la question de est-ce qu'il y a d'autres potentialités pour aller vers de la recherche ou plutôt vers de la professionnalisation. Donc ces trois types de catégorisation font que ça empêche parfois même des débats ou des échanges au sein des équipes pédagogiques parce que ça devient, on arrive presque à des phénomènes d'étudiants types. Comme si on pouvait se dire l'étudiant que l'on a, il a ces caractéristiques-là et on va retrouver effectivement des typologies d'étudiants. Et cet enfermement, ou ce quasi-enfermement pour certains dans cette typologisation, renforce la difficulté qu'ils ont à vivre leurs propres expériences d'apprenants. Ce que l'on a constaté, c'est que en tant qu'enseignant-chercheur, alors à moins que ce soit très différent pour ce que vous avez vécu, la formation à comment enseigner, comment former, comment l'autre apprend, a été assez réduite jusqu'à présent. Et donc, on se rend compte que pour les collègues, il y a vraiment, vraiment une très faible connaissance, voire une absence de connaissance sur les théories même de la connaissance et sur les théories ou les modèles pédagogiques et encore plus sur les modèles pédagogiques concernant les adultes apprenants. Parce que certains qui ont pu être enseignants dans le primaire ou dans le secondaire, dans une vie antérieure, ou qui ont eu d'autres expériences en tant que formateurs dans une vie antérieure, ont pu avoir des formations, mais avec des publics plus jeunes. Pour autant, le fait que ce soit des publics plus jeunes ne dit pas que les pratiques pédagogiques sont transposables pour des publics adultes, puisque tous les publics universitaires sont adultes. Ils ont a priori plus de 18 ans. Et donc là, on se rend compte que pour les collègues, il y a une vraie difficulté de se retrouver confronté à cette méconnaissance de comment est-ce qu'on apprend et quelles seraient les ressources pour accompagner le processus d'apprentissage. Ce qui fait qu'en termes de stratégie, souvent, ce qu'ils énoncent, c'est que soit leur pratique pédagogique s'appuie sur des expérimentations ou des tests qu'ils font avec les apprenants, soit sur la reproduction des modèles qu'ils ont vécu ou l'opposition au modèle pédagogique qu'ils ont vécu, ou en tout cas ce qu'ils croient être l'opposition à ce qu'ils ont vécu. Mais ce qui ne leur permet pas de se sentir légitime dans la majorité des cas par rapport à ce qu'ils ont mis en place. Et ce qui fait que quand ils énoncent des expériences pédagogiques particulières, ils disent ben « en fait, j'ai tenté ça et j'ai fait ça. J'ai eu l'impression que ça marchait. » Mais ils ne se sentent pas légitimes parce qu'ils ne savent pas sur quoi étayer en fait, ces expérimentations-là. Et le seul statut de leur expérience ne leur semble pas suffisant. Ce qui suscite, c'est à la fois les représentations qu'ils ont sur les apprenants et à la fois la délégitimation pour partie de leurs expériences suscite un certain nombre de tensions identitaires. Le premier type de tension identitaire se traduit dans la mission d'enseignement. Ce qui est très porteur auprès de l'ensemble des collègues, c'est la dimension axiologique par rapport à la mission éducative. Ils se sentent vraiment, pour la majorité des personnes interviewées, porteurs d'une mission de service public et porteurs d'un enjeu d'émancipation au sens large des apprenants. Et souvent, d'ailleurs, ce qu'ils évoquent quand ils positionnent leur activité d'enseignement par rapport à d'autres organismes d'enseignement supérieur, c'est de dire l'université a le devoir, et donc moi j'ai le devoir en tant qu'enseignant-chercheur, de permettre de développer l'esprit critique des apprenants et de faciliter leur accès à la pensée, de développer leur autonomie de pensée, et ça c'est porteur pour moi. Pour autant, ils se sentent enfermés, parfois par des demandes, des injonctions parfois même paradoxales, entre l'institution qui peut leur dire
il faut professionnaliser les diplômes. Oui, mais la professionnalisation sans la pensée, est-ce que c'est possible? Et avec les apprenants qui ont des questions du type « mais je vais faire quel métier ? Je vais accéder à quel emploi ? Ça va être quoi mon niveau de rémunération ? Comment est-ce que je peux me positionner ?» Et donc, ils vivent parfois cette mission éducative comme étant prise dans une injonction paradoxale entre « est-ce que je dois accompagner le processus de développement d'esprit critique et la capacité de penser et la capacité à se positionner en tant que citoyen ? Est-ce que je dois préparer de futurs professionnels adaptés à un secteur socio-économique ? Mais si oui, lequel ?» Et donc là, il y a une première tension identitaire qui se révèle dans le rapport aux apprenants. Deuxième tension identitaire, liée plus alors à ce qu'on a appelé les dispositifs socio-techniques, mais plus largement les outils numériques. Le fait qu'on soit dans, pour reprendre la terminologie de Miège, dans le développement de l'informationnalisation, l'accès finalement à de l'information partout, l'accès à de la connaissance un peu partout, suscite chez certains collègues la question de c'est quoi mon utilité ? C'est-à-dire, si l'information est accessible partout, qu'est-ce que j'apporte ? C'est quoi mon rôle ? Ce qui conduit certains, d'ailleurs, à refuser, je prends des exemples qui vont vous paraître peut-être anecdotiques, mais qui ne le sont pas quand ensuite on tente d'éclaircir avec eux le pourquoi, c'est par exemple la mise à disposition des supports pédagogiques avant les cours, que ce soit en amphi ou en TD, en disant « non, je ne les donnerai que après, parce que sinon, peut-être qu'ils ne vont pas venir, peut-être qu'ils ne vont pas me poser de questions, peut-être qu'on ne pourra pas avoir d'échange, donc je préfère garder les documents avec moi, ne les mettre à disposition que plus tard. » Avec aussi l'idée de, surtout si c'est en cours magistral, alors là, je mettrai encore moins mes supports à disposition, parce que ça peut susciter finalement un absentéisme relativement plus fort. Ce à quoi d'autres répondent, bien au contraire, s'ils ont les supports, ça me permet d'anticiper et du coup de les interroger sur ce qui n'a pas été clair pour eux, la manière dont ils ont appréhendé certains contenus, avec la question qui reste souvent une nébuleuse, c'est si on veut aller vers alors ce qui a été nommé de manière assez récurrente et récente de pédagogie inversée, si je fais ça, finalement, s'ils n'ont pas lu, qu'est-ce que je fais pendant mon temps d'enseignement ? Qui je suis et quel est mon rôle à ce moment-là ? Avec la crainte de, finalement, je vais être réduit à être un animateur. Et donc, toute ma plus-value scientifique et toute ma plus-value pédagogique, elle est où ? Et donc, ces questionnements-là suscitent à la fois des doutes quant au positionnement socio-professionnel, mais également dans quelles relations est-ce que je peux développer désormais avec les apprenants ? C'est-à-dire que la position qui pouvait être déplaisante pour une grande majorité une position dominante, c'est-à-dire que si c'est moi qui les cours et si c'est moi qui suis dans la salle comme je suis là aujourd'hui, ça veut dire que c'est moi qui ai le pouvoir sur ce qui va se passer. S'ils ont accès à toutes ces informations, finalement, ils peuvent même remettre en question une partie de ce que j'énonce, puisque même en ligne, ils peuvent vérifier ce que je suis en train de dire sur certaines définitions, sur certaines dates, sur certaines expérimentations qui ont pu être faites, et ce qui pose d'ailleurs pour certains des questions sur l'autorisation de est-ce que j'autorise les ordinateurs portables pendant les enseignements ou pas, est-ce que j'autorise les connexions, qu'est-ce que j'apporte et qui je suis ? Alors, bien évidemment, là, je donne les éléments les plus signifiants, peut-être, parce que dans la réalité, c'est plus complexe, c'est pas aussi caricatural. Mais ces éléments sont suffisamment anxiogènes pour que ça suscite des questionnements sur qui je suis en tant qu'enseignant et quelle est ma plus-value. Autre élément de tension,
il ne faudrait pas croire qu'il n'y ait que les apprenants qui soient source de tensions identitaires pour les collègues. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas d'abord les apprenants qui sont source de tensions identitaires pour les apprenants, pour les enseignants dans leur fonction d'enseignement. C'est peut-être d'abord les pairs, les collègues. Ce dont on s'est rendu compte, c'est à travers ces différents travaux de recherche, c'est qu'énormément de collègues développent des pratiques pédagogiques qu'on pourrait qualifier d'innovantes dans le sens où ça change des habitudes ou des pratiques de leur département. Ils testent énormément de choses parce que pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, c'est à la fois comment est-ce que je peux accompagner la réussite et les apprentissages des étudiants et comment est-ce que je peux les aider à se situer à la fois en tant qu'apprenant, à la fois en tant que sujet sociaux et à la fois en tant que citoyen. Donc, ils testent énormément, énormément de choses, que ce soit via le numérique ou pas. C'est-à-dire que c'est pas le numérique, finalement, n'a été que le révélateur de toutes les pratiques pédagogiques qui pouvaient être testées et de tout un ensemble d'expérimentations qui pouvaient être mises en œuvre. En revanche, s'ils testent, majoritairement, ils se refusent à partager avec leurs collègues ou à le montrer à leurs collègues pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a peu de temps d'échange pédagogique qui soit reconnu de manière institutionnelle et ou qui soit possible aussi en fonction des contraintes de chacun. Donc il y a ce premier élément qui n'est pas facilitateur dans l'échange avec les pairs. Et puis le deuxième élément tient sur qu'est-ce que ça va donner comme image de moi si j'affiche le fait que j'investis sur le plan pédagogique. Avec un arrière-plan, l'idée, c'est que si j'affiche mes essais pédagogiques, je montre que j'investis sur le plan pédagogique et on pourrait penser que finalement, je fais moins de recherches ou que ça peut avoir des effets délétères sur mes pratiques scientifiques. Et donc, la conséquence, c'est qu'il y a beaucoup d'innovations qui sont mises en œuvre et qui restent très réduites en termes de périmètre ou alors partagées simplement avec deux ou trois collègues avec lesquels on va échanger parce qu'il y a un même centre d'intérêt, parce qu'il y a de mêmes enjeux. Mais ces éléments-là, ça, le fait d'être dans cette rétention finalement d'informations n'est pas sans susciter un certain nombre d'inconforts et voire même le fait de masquer une part de l'activité. Ça va au point même, c'est-à-dire ce que ça suscite de tensions identitaires, ça va jusqu'au point de parfois ne pas vouloir même partager, c'est-à-dire quand ça a été identifié par d'autres en disant « mais ça c'est génial ce que vous avez fait dans ce département ou entre collègues là-dessus, ça serait vraiment intéressant de le partager avec d'autres collègues », dire « non, non ». C'est bien comme ça, on l'a échangé, mais je ne suis pas sûre de ce que j'ai fait. Et puis même si ça a marché avec eux, peut-être que c'était que pour cette année, ce n'est pas sûr que l'année prochaine, ça refonctionne. Donc il n'y a pas forcément de souhait de diffusion et de partage et d'échange du fait de ce que j'évoquais, c'est-à-dire comment est-ce que je vais être perçue? Est-ce que mon identité d'enseignant ne va pas altérer mon identité de chercheur? Donc finalement, on pourrait tirer des conclusions assez négatives de ces constats en disant que l'identité d'enseignant-chercheur et surtout l'identité d'enseignant se trouve pour partie menacée et on pourrait avoir peu d'espoir quant aux innovations pédagogiques qui pourraient être mises en œuvre. Mais ce dont on s'est rendu compte à travers l'étude, c'est que de plus en plus, il y avait des leviers d'action pour reconnaître ces identités d'enseignants. Paradoxalement, le numérique constitue l'un de ces leviers d'action. Pourquoi ? Parce que, à travers le numérique, sous le prétexte des questions techniques ou technologiques, on accepte plus facilement de se poser des questions pédagogiques. Et donc, à travers les questions qu'on va avoir sur mais est-ce qu'on met en ligne ces supports ou est-ce qu'il vaudrait mieux une vidéo, etc., très vite, les questions techniques laissent la place aux questions de mais si on met ça en ligne, comment est-ce que l'autre apprend? Et donc, on arrive
à l'acte d'apprendre, et donc on arrive à l'acte pédagogique lui-même. Donc le numérique devient un premier levier et un premier détour pour aborder des questions pédagogiques et rendre les questions pédagogiques légitimes, donc souvent même au sein de départements. Parce que finalement, comme on a pu obtenir un financement, que ce soit en interne ou en externe, pour développer des aspects numériques, ben on en profite aussi pour aborder des questions plus d'apprentissage et des questions pédagogiques. L'autre élément facilitant via le numérique, c'est ce que ça révèle des formes d'interaction et des formes de collaboration entre les apprenants et entre les collègues. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que j'énonce? Comment je parle? Quel est le temps de parole que j'accorde à l'autre? Quel est le temps sur les forums? Quand est-ce que j'interviens? À nouveau, sur quelles sont les formes d'interaction et quelles sont les formes d'échange, des questions qui, bien évidemment, se posaient aussi en l'absence et se posent aussi en l'absence du numérique, sont plus facilement abordées parce qu'il y a ce vecteur du numérique qui oblige, en fait, et qui impose à se poser la question de c'est quoi le temps de parole que l'on peut s'accorder en tant qu'enseignant et quel est le temps de parole qui pourrait être privilégié dans des sous-groupes ou avec des groupes complets d'apprenants. L'autre levier d'action peut être pour faciliter et reconnaître l'identité des enseignants-chercheurs est à chercher du côté organisationnel. Un des éléments qui nous a vraiment frappé au cours de l'ensemble de ces deux études, c'est la très très faible méconnaissance des fonds attribués par le ministère, par les universités, aux investissements en pédagogie ou aux investissements numériques. Tous les programmes qui soient nationaux, régionaux, internes, partenariaux ou autres, la majorité des collègues ne les connaissaient pas et ne savaient même pas qu'ils existaient. En revanche, on se rendait compte qu'ils ne connaissaient pas ça, ils testaient des choses, ils cherchaient eux-mêmes des voies de financement. Donc on s'est rendu compte qu'en fait, sur le plan organisationnel, les logiques descendantes ne fonctionnent pas, parce qu'elles sont souvent vécues comme des injonctions, comme des obligations à « là, il faut vraiment développer le numérique. Là, il faut vraiment développer l'approche par compétences. » Je pourrais en citer comme ça des dizaines. Quand ça vient de cette manière-là, de manière descendante, c'est comme si ça devenait une sorte de déni collectif quasiment, de « non, on ne sait pas ». Mais en revanche, quand on regarde comment les collègues travaillent, on se rend compte que certains ont déjà des diplômes organisés sur des logiques d'approche par compétences. Mais ils n'ont pas attendu, en fait, qu'il y ait cette demande qui soit faite par le ministère. Et donc, là où il y a peut-être un levier de reconnaissance identitaire par la voie organisationnelle, ça sera sûrement à la condition de partir, non pas d'une logique descendante, mais plutôt d'une logique transversale et horizontale, voire remontante, en partant de qu'est-ce qui est mis en œuvre et comment est-ce qu'on peut l'articuler avec peut-être des orientations stratégiques dans lesquelles on se reconnaît pour tout ou pour partie ou pas du tout, mais avec lesquelles on peut se positionner. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'effectivement, quand dans les établissements où il y a eu ces démarches de on va vers les enseignants-chercheurs et on essaie d'identifier leurs besoins, leurs propres besoins, non pas seulement les besoins des apprenants, mais on essaie d'identifier les besoins des enseignants-chercheurs, que ce soit sur le plan pédagogique, comme sur le plan organisationnel, comme sur le plan fonctionnel, tout devient beaucoup plus simple parce que, effectivement, les collègues se sentent reconnus dans les efforts pédagogiques qu'ils peuvent tenter de déployer. Deuxième forme de levier de reconnaissance, c'est vraisemblablement dans la logique de don. Là, c'est en référence à la théorie de don de Moss, selon laquelle on ne fait pas que donner à autrui par obligation, mais parce qu'on est aussi dans l'espoir de quelque chose, d'une transformation de ce que l'on donne. Et les hypothèses qu'on a pu formuler à partir de ces recherches, c'est que les collègues n'attendent, alors d'une part sur les formes de coopération, ils ont très peu d'espoir de coopération avec l'institution au sens large,
ponctuellement, mais de manière générale, l'espoir de collaboration, de coopération est très faible. Un peu plus avec les collègues, mais ils ont beaucoup plus d'espoir de coopération avec les apprenants. En se disant que ce qu'ils leur donnent, ils ne le donnent pas seulement à ceux qui peuvent recevoir, mais ils vont le donner dans le temps, parce que ça va transformer, ils ont l'espoir d'une transformation de la société à travers les apprenants qu'ils forment. Et cette dimension axiologique, ce rapport à ce qui fait du sens pour eux dans leur mission, font qu'ils investissent beaucoup plus sur le plan pédagogique qu'on ne pourrait l'imaginer, et ça leur permet de renouer avec leur identité à la fois de chercheur et de scientifique, qui est de dire c'est la même mission et c'est le même enjeu. C'est-à-dire que quand je produis de la science, quand je produis des connaissances, ce qui en sera fait, ça ne sera peut-être pas demain, aujourd'hui, ça sera peut-être jamais, ça sera peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans, mais j'ai cet espoir que ça soit réinvesti, réutilisé. Et en termes d'enseignement, ce qu'on a constaté, c'est la même logique de don, c'est-à-dire je donne, et je donne énormément, y compris de qui je suis, de ce que je suis, en tant qu'enseignant, en tant que citoyen, en tant que scientifique, en tant que sujet social, dans l'espoir qu'effectivement, les apprenants, même s'ils n'en font pas quelque chose aujourd'hui, ou si je ne vois pas ce qu'ils peuvent en faire aujourd'hui, en feront quelque chose demain et au-delà de l'université. Ce qui fait qu'en termes, j'allais dire, de démarrage de nos échanges, on peut identifier au moins trois axes d'évolution, de progrès, si on s'inscrit dans les idéaux des Lumières, parce qu'il y a aussi cette dimension qui est très présente, c'est-à-dire de contribuer à l'évolution de la société en tant qu'enseignant. Au moins trois leviers d'action. Le premier, c'est les appuis fonctionnels et organisationnels. Et là, on se rend compte que les institutions, que ce soit l'université, voire le ministère, ont un énorme rôle à jouer aujourd'hui en tant qu'appui. Appui non pas pour dire aux collègues comment travailler, mais pour leur laisser le temps de penser comment ils pourraient avoir le désir de travailler et pour avoir le temps d'échanger sur leurs pratiques pédagogiques. Je pense que l'exemple de ce type de séance s'inscrit là-dedans. C'est comment l'institution peut permettre des échanges qui vont donner à chacun la liberté de réfléchir, de penser et d'échanger, non pas dans un mode prescriptif, mais dans un mode plutôt réflexif. Le deuxième, il est vraisemblablement sur les aspects managériaux. Comment est-ce qu'on organise et on facilite l'activité des enseignants-chercheurs, notamment sur tous les aspects administratifs, parce que là, je pense que ça sera une révélation pour aucun d'entre nous, la surcharge administrative ou le déplacement de tâches administratives prend souvent le pas sur les tâches pédagogiques. Et ce qu'on a pu identifier, c'est qu'effectivement, les institutions qui ont régulé et qui ont limité les tâches administratives des enseignants-chercheurs ont libéré évidemment du temps sur les tâches pédagogiques. Et puis, le troisième axe qui nous semble être un élément non négligeable, c'est comment chacun de nous et collectivement, on va accepter aussi de négocier ces nouvelles identités émergentes d'enseignants et d'enseignants-chercheurs et d'apprenants. Parce que différents travaux montrent que les apprenants d'aujourd'hui ne sont pas les apprenants d'hier, qu'il y a des attentes, etc. etc. On pourrait lancer la discussion longuement sur ce sujet-là, ça donne lieu à des débats, à des polémiques. Sur le fond, la question que ça pose, c'est quand des apprenants viennent, ils viennent pour apprendre, mais ils viennent aussi pour se construire et pour construire leur identité présente et à venir. Quand on enseigne aussi en mobilisant qui l'on est et en ayant une offre identitaire à leur égard, en leur disant « voilà comment on vous voit demain, voilà ce qu'on a comme espoir pour vous demain ». Et ces dimensions-là, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément aussi présent. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une tendance relativement forte dans des cas de tension identitaire à un repli sur la dimension seulement cognitive.
C'est quoi les techniques pour apprendre et pour que ceux qui viennent dans les cours, les TD, puissent apprendre le plus facilement. Alors que l'on sait depuis plus d'un siècle, et surtout avec les adultes, que dans le processus d'apprentissage, on ne mobilise pas seulement la dimension cognitive, mais on mobilise également la dimension cognitive, on mobilise également la dimension affective, on mobilise également la dimension relationnelle. Et donc, toutes ces dimensions-là font qu'on a le désir et le plaisir d'apprendre, parce qu'on s'imagine un avenir possible, mais dans un présent. Et donc, quand on est centré seulement sur comment mémoriser, comment développer les meilleures techniques pour apprendre mieux, pour apprendre vite, en se limitant aux aspects cognitifs, on se rend compte qu'en fait, ça produit encore plus de distance entre les apprenants et les enseignants. Et là, on voit bien que même si les sciences cognitives ont énormément d'apports sur ces éléments-là, ça peut créer aussi un repli chez les collègues de se dire, bah oui, si les sciences cognitives donnent des informations sur comment on peut apprendre mieux et s'en centrer sur ces techniques-là, écartons tout le reste de ce qui se passe. Sauf qu'en fait, non. C'est-à-dire qu'en tant que sujets sociaux, on ne se limite pas à nos techniques d'apprentissage et notamment de mémorisation. Et donc la prise en compte de cette globalité de qui est l'autre qui apprend et qui est l'autre qui enseigne, y compris en partageant ses expériences d'apprenant et y compris en partageant ses expériences professionnelles, permettent à chacun de se positionner. Dans les différents entretiens, on s'est rendu compte que de plus en plus de collègues parlent de leur parcours professionnel, parlent du pourquoi ils s'intéressent à tels aspects scientifiques ou pourquoi ils font ce métier-là, pourquoi ils ont renoncé parfois à d'autres métiers, à d'autres activités professionnelles, comment ils voient le monde du travail pour ceux qu'ils ont en formation aujourd'hui, et ils prennent en considération les sujets sociaux que sont ceux qui apprennent. Et donc, vraisemblablement, dans les axes, dans les leviers d'action pédagogique qu'on peut identifier, il y a probablement cette dimension identitaire et ces négociations identitaires qui ne sont pas simples à gérer pour nous en tant qu'enseignants, parce que ce que l'on nous renvoie de qui l'on est en tant qu'enseignant, avec tous les stigmates qu'on peut avoir aussi, on en a pour les apprenants, mais les apprenants en ont aussi sur nous, ça suppose effectivement de les discuter et de les négocier avec eux. Mais peut-être que dans cette négociation identitaire-là, il y a des leviers d'action qui ne sont pas encore suffisamment explorés. Ça va être la question, c'est comment est-ce que c'est donné à voir et comment est-ce que c'est valorisé. C'est-à-dire que pour la majorité des collègues, ce qu'ils déplorent, c'est le temps consacré à la réflexion pédagogique. Et donc quand on leur dit qu'il peut y avoir une prime pour une innovation pédagogique, etc., ils peuvent le vivre comme à nouveau une dépréciation de « non, je ne demande pas d'argent en plus, ce que je demande, c'est du temps pour penser et pour échanger avec mes collègues ». En revanche, quand il y a des revalorisations par des biais financiers et qui sont sur des projets ou associés à du temps, c'est-à-dire pas seulement, mais en disant bah, « il y a tant d'heures qui vont être financées pour ça et qui vont entrer dans le service » ou alors on dégage une partie du service d'enseignement pour être consacré à ça, les collègues le vivent de manière plutôt positive et comme une forme de reconnaissance, de dire que ce n'est pas du travail gris, entre guillemets, qu'on me demande encore de faire, mais c'est bien un travail qui a une reconnaissance institutionnelle. Parce que le problème, au-delà de... On pourrait effectivement discuter des rémunérations des enseignants-chercheurs, etc., qui sont des éléments qui sont apparus dans les études, mais la question, c'est qu'est-ce qu'on rémunère dans mon activité ? Qu'est-ce qu'on reconnaît ? C'est-à-dire que dans mon temps de travail, on compte par exemple des heures en présence. Oui, mais alors quand je fais de l'accompagnement et que je prends du temps pour rencontrer les étudiants ou des apprenants de formation continue parce que ça a du sens que de les rencontrer de manière régulière, on me dit que je ne peux pas le mettre dans la maquette. Ou alors il faut que je bidouille pour que dans la maquette, ça rentre sur des affichages. En fait, les collègues disent, il y en a marre de la bidouille. Ce que je veux, c'est que ça apparaisse clairement, qu'on affiche clairement qu'il y a tant d'heures consacrées à des rendez-vous avec des apprenants sur telle et telle et telle dimension. Donc l'enjeu sur la question autour des primes ou de ces éléments-là, c'est
comment ça traduit la reconnaissance du travail. Pas le, c'est pas la, c'est pas le, le volume financier qui va être le levier, mais ça va être comment ce volume financier va constituer une reconnaissance du travail acté. L'autre exemple, qui est revenu, c'est dans des collègues qui ont tenté des expérimentations sur l'accompagnement, par exemple, des mémoires, que ce soit en M1, en M2, en disant, là, on veut mettre en place vraiment un accompagnement parce qu'il y a un enjeu à ce qu'à travers les mémoires, que ce soit des mémoires professionnelles ou des mémoires de recherche, que les apprenants puissent apprendre à penser dans l'élaboration du mémoire. Et donc, quand il y a 2 heures statutaires, alors ça dépend des établissements, mais 2 heures statutaires ou même 4 heures de TD consacrées à l'accompagnement des mémoires, ça n'a pas de sens. Ce qu'on voudrait, c'est plutôt considérer que sur le plan individuel, il puisse y avoir tel volume horaire consacré, on le fait rentrer dans la maquette, on le considère en tant que tel, parce que c'est cette expérimentation-là, et on sait que c'est par là aussi que ça va passer, par les aspects collectifs et par les aspects individuels. Il y a deux questions dans ce que vous dites. La première question, c'est effectivement la question des formes d'interaction et de relation avec les apprenants. Et donc, effectivement, le format, ce qui est apparu, c'est que le format du cours magistral n'implique pas, par exemple, automatiquement le fait de la distance. Parce que certains collègues nous ont dit que oui, effectivement, ils devaient en avoir 200, finalement, ils en ont 400. Et en revanche, ils ont mis en place tout un tas de stratégies, comme par exemple des envois mail groupés pour donner des informations ou des questions sur je suis monsieur ou madame X, on va se rencontrer à telle date, on va travailler sur ça et ça. Voilà, vous pouvez regarder une vidéo sur... Et donc, ils ont tenté de décloisonner de cette manière-là. Et c'est là, quand j'évoquais le fait que le numérique peut être un vecteur de réflexion sur quelles relations on a avec les apprenants, ça a été ça, c'est-à-dire que le fait d'avoir cette possibilité-là via le numérique font que ça a des effets sur la relation qu'ils vont avoir après dans l'amphi. Certains, par exemple, ont dit bah, « Maintenant, moi, j'ai arrêté de rester dans l'amphi devant l'écran ou devant le tableau. En fait, je me balade dans l'amphi avec le micro et je fais défiler les vignettes à distance, mais ça me permet d'être en contact physique avec eux. C'est-à-dire que je suis... Dans l'amphi avec eux, et même s'ils sont sur leur ordinateur, même s'ils naviguent sur différents sites, peu importe, mais physiquement déjà je vais vers eux et je bouge avec eux. Et avec l'espoir de peut-être que si moi je vais vers eux, peut-être qu'ils vont venir vers moi et qu'on va faciliter cette rencontre et ces échanges-là. Donc bien évidemment la rencontre sur qui ils sont, comment ils apprennent, là, c'est encore une autre question. C'est que là, ça permet d'aborder ce que j'ai cru comprendre dans votre question, une première partie qui est la rencontre et la relation. Et après, il y a la deuxième dimension, c'est comment est-ce qu'ils apprennent. Et sur comment est-ce qu'ils apprennent, très peu ont évoqué le fait qu'il y avait eu des analyses de besoins. Ça ne serait-ce que pourquoi, pas seulement sur qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir, mais comment est-ce qu'ils apprennent, quel sens ils donnent à ce qu'ils apprennent. Alors certains développent hein, des questionnaires en ligne sur pourquoi est-ce qu'ils envisagent ce diplôme, pourquoi est-ce qu'ils se sont réinscrits alors qu'ils avaient fait 2 fois déjà la L1, pourquoi est-ce que... Donc certains développent ce type de stratégie parce qu'ils disent aujourd'hui il y a peut-être des choses qui m'échappent et que je ne comprends pas et que je ne sais pas de comment les autres apprennent. Ce qui a été aussi un révélateur, ça a été dans... Alors là, sur l'autre étude, sur l'analyse des besoins en Lorraine, c'est... Alors après, tout dépend aussi des régions, des universités, de l'emplacement des universités dans les différentes régions, donc les populations ne sont pas toujours les mêmes, mais c'est aussi la précarisation des situations étudiantes. Donc, ça aussi, c'est des éléments qui, aujourd'hui, questionne énormément les collègues. C'est-à-dire que ça peut paraître anecdotique, mais c'est assez révélateur du choix qu'ils font en tant qu'enseignants, c'est de dire oui, avec le numérique, je leur envoie tous les supports. Mais sur certains supports, ils ont besoin d'y travailler dessus.
Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils les impriment. Moi, je continue à imprimer parce que je sais que certains n'ont pas les moyens d'imprimer. Et donc là, ils disent, alors oui, on me reproche le volume. L'institution me dit, trop d'impressions, tout est accessible sur Arche, tout est accessible sur la plateforme, donc trop d'impressions, ça coûte trop cher au département, etc. etc. Oui, mais si ça coûte cher au département, ça coûte quoi alors à ceux qui sont en dessous du seuil de pauvreté? Donc c'est aussi des éléments, quand j'évoquais la question du don, c'est ça aussi qui est là derrière. C'est quand je décide, parce que c'est du temps en plus, ne serait-ce qu'envoyer le document pour la repro, les récupérer, c'est beaucoup plus rapide de mettre tout sur la plateforme. C'est du temps en plus, mais ce temps-là, ils considèrent qu'il est nécessaire parce que ça va être un coût en moins pour les apprenants et que ça a du sens par rapport à la mission de service public et par rapport à comment ils considèrent l'autre en tant que citoyen. Ce n'est pas seulement le fait d'apprendre, mais c'est de créer des conditions qui vont faciliter l'apprentissage de l'autre. Et donc cette dimension-là devient de plus en plus présente. C'est comment est-ce que je peux faciliter le processus d'apprentissage de ceux qui sont en formation. Ce que vous dites, ça fait totalement orthogonal avec tout l'esprit ambiant en ce moment de technicisation, les outils, les neurosciences, etc. Qu'est-ce que nous, on peut avoir, sur quoi s'appuyer par rapport à ce que vous dites? C'est-à-dire que sont mis actuellement dans le discours, il y a plein, hein, vous connaissez tous les arguments qui sont mis en avant. Voilà, la question c'est comment on fait pour remettre de l'humain dans l'affaire et dire qu'on n'est pas des machines dans tous les. Que ce soit l'enseignant, l'apprenant, etc. Qu'il y a cet aspect de comment on apprend qu'au final on ne sait pas. C'est compliqué de dire on ne sait pas quand il y en a qui viennent dire mais nous on sait parce qu'on voit le cerveau. Qu'est-ce qu'on peut faire nous par rapport à ça? Le point d'entrée, c'est vraiment le comment on met les machines au sens large et la technique au service de celui qui apprend et de celui qui enseigne. Parce que dans tous les cas, le processus central, il est là. Et c'est peut-être là effectivement que un des intérêts de préserver cet espace dans lequel on peut, alors un collègue qui s'appelle Tienne Bourgeois dit que la formation c'est un espace dans lequel on peut expérimenter de nouvelles manières de penser et d'agir. Et donc si on considère que l'enseignement, la formation c'est un espace dans lequel on peut expérimenter des choses, oui, mais partons d'abord de la relation entre celui qui apprend, celui qui est là pour accompagner ce processus d'apprentissage et ce qu'il y a à apprendre, en mettant tout ce que l'on peut découvrir, que ce soit en neurosciences, en sciences cognitives, sur le plan technique, au service de ça, et pas l'inverse. Parce que souvent, on a des formatages d'outils en disant ben, « c'est comme ça », et le point de départ, il est vraisemblablement là. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ok, j'ai envie de tester ça. Je vais chercher les ressources. S'il n'y a pas les bonnes ressources... Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que pour les collègues qui ont expérimenté, y compris avec le numérique, certains dispositifs, ils ne se sont pas forcément adressés aux services numériques de l'université, mais ils sont allés chercher d'autres personnes qui étaient en train de faire des choses sur le numérique parce que ces personnes-là les écoutaient sur leurs besoins. Donc la question, elle est effectivement dans la démarche d'utiliser peut-être d'abord, de se demander où on va et d'aller chercher les ressources là où elles se trouvent. Parce que la question, vous avez parlé sur la question des appels, enfin, effectivement, il n'y a pas de moyens. Sauf qu'en fait, ces moyens, ils sont orientés avec justement ces profils outils, utilitaristes, etc. Donc enfin, voilà, on est confronté à ça. Et des fois, comme vous dites, ce n'est pas forcément de sous qu'on a besoin, mais c'est de temps. Et quand on regarde, on dit « mais oui, mais vous pouvez avoir des sous ». Et là, si on regarde sur les nouveaux appels d'offres, maintenant, on voit que dans les nouveaux appels d'offres, alors ça dépend hein, de... desquels, mais il y a de plus en plus qui sont consacrés à de l'ingénierie. Donc consacrés en fait à de la conception bien plus qu'à de l'investissement sur des outils. Parce qu'effectivement, on se rend compte que d'une part, l'argent a été très peu utilisé par rapport à ce qui était disponible. Il y a eu tellement peu d'utilisation qui a été faite que ça a obligé aussi ceux qui étaient à l'origine de ces réflexions de se dire
peut-être qu'il faut qu'on s'y prenne autrement, et donc de financer plutôt des démarches d'innovation, des études de faisabilité, pour employer le jargon, mais en tout cas de dire « laissons expérimenter ». C'était déjà vrai sur un tout autre secteur, mais avec Christine, on avait travaillé donc déjà avec l'UPMC à l'époque, c'était en 2008 ou 2009, je me souviens. 2009. Autour effectivement des étudiants dits décrocheurs, donc dans une logique d'expérimentation sociale. Et donc l'UPMC avait lancé une expérimentation. On était là en tant que labo évaluateur, mais dans une perspective de qu'est-ce qu'on peut comprendre, pas dire c'est bien, c'est mal, mais qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce qui se passe. Et effectivement, c'est que là, c'est de l'argent qui est donné pour tester, mais sans dire comment faire. Je pense que ces démarches-là ont plus d'avenir pour que les collègues se sentent à l'aise dans le fait d'essayer et se sentent libres d'essayer, d'avoir des moyens financiers ou des moyens de temps pour tester ce qu'ils veulent, plutôt que de leur dire « mais là, achetez ça ». Parce que non, c'est peut-être pas de ça dont on a besoin. C'est nous la liberté de penser et le temps d'élaborer et de prendre des outils qui nous seront nécessaires ou pas. Le terme que vous avez utilisé, qui est la notion de désir, donc de motivation, que ce soit de la part des enseignants-chercheurs ou des apprenants. On sait qu'un des moteurs, justement, d'apprentissage, c'est essentiellement la motivation. Alors, comment, au niveau institutionnel, on peut susciter ce désir? Je place là du côté des enseignants-chercheurs. Quels outils devrait développer l'institution pour développer ce désir de se former et d'être à l'écoute de ses apprenants le plus? Alors, je renverserai la question. C'est comment est-ce qu'on peut comprendre le désir de celui qui apprend et comment est-ce qu'on va aller l'explorer. Pour le prendre dans l'un des courants de la formation des adultes, c'est comment est-ce qu'on va, qui est le courant humaniste, qui est comment est-ce qu'on va aller comprendre le sens que l'autre donne, alors que les apprenants donnent au fait d'apprendre et au fait de se former. Et en prenant les choses dans ce sens-là, on se fatigue beaucoup moins que d'essayer de les motiver, parce qu'en fait, quand on explore le sens qu'ils donnent, quand on essaie d'explorer le sens qu'ils donnent à ce qu'ils apprennent, on essaie de comprendre ce qu'ils attendent en tant qu'apprenants, en tant que sujets sociaux, alors que quand on essaie de les motiver, on imagine ce qui peut les intéresser, on déploie une énergie de dingue pour inventer des trucs qui vont les stimuler avec des flashs, des machins, on passe du PowerPoint au Prezi, après on va passer à tout un tas, il faut qu'il y ait de la lumière, il faut que... En fait, non. Et en plus, ils vont beaucoup plus loin sur le plan numérique que nous, donc c'est parce que c'est beaucoup plus fluide. Donc je pense qu'il y a la nécessité de passer moins de temps et d'énergie là-dessus, pour peut-être essayer de voir avec eux pourquoi ils sont là. Demain, c'est quoi des exemples qui sont issus de ce qu'on a fait? C'est des collègues qui, en début de TD, par exemple, disent « bah voilà, là, je vous ai apporté 4 offres d'emploi que j'ai prises hier sur la PEP ou sur Pôle emploi, sur le niveau ». Je vous laisse travailler en sous-groupe, vous me dites en quoi et pourquoi vous positionneriez là ou pas. Et là, tout d'un coup, même si je suis en L1 et que je me dis, avec un niveau Bac plus 3 dans ce secteur, je pourrais faire ça. Du coup, ils expriment ce qu'ils imaginent, etc. Et la relation devient autre. Et ça permet aux collègues de se dire... Voilà, alors là ils sont paumés, ils savent pas, et c'est peut-être important de leur dire que ok, vous êtes paumés, vous savez pas, c'est pas grave. Pour le moment, on se donne du temps pour essayer de découvrir des choses ensemble. Et d'autres dire, et pour ceux qui savent où ils vont, ok, peut-être que vous pouvez aller là, peut-être pas là. Mais de partir plutôt dans le sens inverse, plutôt que de motiver, parce que dans la motivation, il y a les deux dimensions, c'est qu'il y a la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Et ce qu'on voit, c'est que beaucoup de collègues passe une énergie mais folle sur le fait de stimuler les motivations extrinsèques et de les provoquer eux-mêmes, alors que c'est tellement éloigné éventuellement d'autres motivations extrinsèques qui est « je suis là parce que votre TD, il se trouve qu'il est de 8h à 10h et qu'à 11h, je vais commencer à travailler dans tel magasin, etc. » Donc votre TD ne m'intéressait pas vraiment, mais sauf que c'est celui qui colle avec mon planning professionnel. C'est pas grave. Ok. C'est ça qui fait du sens pour vous?
Bah, très bien, bah, on va essayer de travailler au mieux sur le contenu, puisque c'est ça qui fait du sens pour vous. Et à la limite, même si au départ ça ne vous intéresse pas, mais puisqu'il y a un enjeu effectivement pour vous qui est de vous nourrir aussi, bah, on le prend en compte. Et c'est pas un problème. Mais d'autres collègues vivent ça, c'est-à-dire que quand ils entendent il m'a choisi par défaut parce qu'il va bosser, ça veut dire que je ne l'intéresse pas. Oui. Est-ce que vraiment on intéresse beaucoup de monde? Enfin, est-ce que nos travaux de recherche et ce que l'on produit intéressent énormément de personnes? Bien sûr que non. Mais ça veut dire qu'il y a aussi l'acceptation de ça, de dire bah, peut-être que ça intéresse pour partie, peut-être que certains ont une vision utilitariste de ce que l'on fait. Mais peut-être que ce n'est qu'une partie, pour autant en faire une généralité, et considérer que même pour certains, et d'ailleurs, là je pense à l'exemple d'un collègue qui avait évoqué ça, qui avait dit, en fait, le TD, je me suis rendu compte que ça collait bien avec les horaires, non pas d'activité professionnelle, mais d'activité sportive, de créneau. Donc en fait, il venait là pour une majorité. Dit, je dois dire que là, après, j'ai été vachement déçue parce que c'est... Pour autant, il a dit, bah, j'ai fait avec, et je me suis dit, voyons ce qui pourrait les, comment est-ce qu'on pourrait, quand même, je leur ai dit franchement que je savais que ça me décevait, mais que pour autant, on allait essayer de co-construire ensemble. Il dit, et au fur et à mesure du TD, comme j'ai libéré la parole là-dessus en disant, je sais que vous n'êtes pas là par envie, mais par obligation parce que ça se contraint, bah allons-y. Ok, prenons la contrainte comme elle est. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, il y a une chose, c'est la motivation de l'apprenant. J'évoque aussi la motivation de l'enseignant-chercheur. Oui. À se positionner, continuer à se former. Oui, alors là, c'est beaucoup plus délicat. ce dont on s'est... Enfin, il y a vraiment dans la culture enseignante, le rapport à la formation continue sur le volet enseignement, c'est culturellement absent. Donc c'est l'autre qui doit apprendre, mais pas moi. Donc quand ça se produit, ça se produit vraiment sur la base d'un projet particulier. Et ça peut être le déclencheur d'une envie, mais c'est pas la dominante. Et puis en plus, il y a l'autre lieu commun, mais qui est institutionnel, hein, qui tient aussi à nos parcours, qui est de dire... On a une thèse, on est légitime pour enseigner et pour faire de la recherche. Donc ça a créé aussi une distance très forte dans le rapport au fait de se former en tant qu'enseignant. On dit, bah non, puisque on m'a dit que c'est bon, j'avais le badge, je suis autorisée à. Donc c'est que je suis légitime, je suis professionnelle, on me l'a dit. Donc sur l'étude qu'on a conduite, c'est que sur les deux études, c'est que sur la base du volontariat, et on a même eu des retours de certains qui nous ont dit non mais hors de question que je participe à une étude où on me demande où on me pose des questions sur qui ce que je fais en tant qu'enseignant, ça jamais. Donc il est assez probable qu'une partie des collègues, on n'a pas fait d'études de statistiques, donc je pourrais pas vous dire ce que ça représente, mais n'ait aucun désir de changer quoi que ce soit. Certains le disent d'ailleurs. De changer quoi que ce soit ou même d'interroger leur propre pratique. Un des collègues a donné comme élément de qualité de son enseignement le fait qu'il n'en reste que 3. Voilà. C'est qu'il était allé suffisamment loin dans la complexité, il avait avancé suffisamment loin dans la complexité pour qu'en fait, il n'en retienne que 3. Voilà. Bon, on a partout, allez. je pense que c'est et donc là, sur l'espoir, pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur l'espoir par exemple de partage avec des collègues qui sont dans ce rapport-là, inutile de dépenser de l'énergie. Je me demandais dans l'isolement, l'isolation de l'enseignant-chercheur, l'institution, c'est-à-dire les stratosphériques qui proposent des outils qui ne sont pas les bons et qui sont inconnus, de toute façon, oui. Césure totale. Il y a les corps intermédiaires, il y a des UFR, des départements, vous avez mentionné les équipes pédagogiques, j'ai l'impression que c'est de la famille totale, qu'on ne partage pas ces contenus, qu'on n'aime pas beaucoup, c'est vrai, c'est clair. Mais je me demandais si, en termes de levier, puisque c'est la question que vous avez posée à la fin, il n'y a pas quelque chose de responsabilisation de ces responsables de cette équipe de master, de mention,
dans le fait notamment d'organiser le temps, parce que donner du temps, on peut toujours alléger la charge administrative, on peut toujours donner de l'argent, des charges d'enseignement ou autre, mais une idée, c'est du temps collectif qu'il faut. Ouais. Donc c'est une impulsion aussi humaine. Ouais. Alors là, sur les recherches, un des éléments de blocage qui est récurrent, et là, c'est vrai que c'est un élément auquel on ne s'attendait pas, parce que ça paraît tellement incroyable, c'est la disponibilité des salles. Ça paraît de dire, en fait, un exemple de collègue qui a dit, nous, on avait décidé de banaliser telle demi-journée pour avoir le temps pour les réunions de département, pour les réunions d'équipe pédagogique, de dire, on ne mettra aucun enseignement sur cette demi-journée-là, quels que soient les diplômes. Donc là, c'était au niveau d'un département, on fait ça. Bah oui, mais non, en fait, c'était pas possible à cause des salles, de la disponibilité des salles. Donc là, effectivement, quand j'évoquais le fait qu'il y a des leviers managériaux, des leviers organisationnels, il y a vraisemblablement de gros progrès à faire sur comment on planifie, comment on organise, comment on gère aussi les salles. Des exemples aussi simples sur les salles, le fait de dire on a des masters où ils ont un rythme d'une semaine sur deux quand ils sont en alternance ou des masters où on sait qu'ils n'auront qu'en début de semaine ou en fin de semaine. Consacrons la même salle pour les masters et organisons-nous avec un autre master pour être sur d'alternance. Ça paraît d'une simplicité incroyable et pourtant c'est pas si simple après pour être coordonné au niveau d'un établissement. Mais là, sur cette question du temps, ce qui est revenu souvent, c'était cet aspect-là. Hormis même les aspects de contraintes scientifiques ou de congrès, de colloques, il y avait déjà juste ça, qui est pas rien au final, en fait. Et ce qui va aussi avec la question de la massification et de comment on gère les flux. Je pense que c'est un autre révélateur de ces changements-là aussi. Et de la vision du métier. Et de la vision du métier et des formes de collaboration. Ce dont on se rend compte aussi, c'est que beaucoup de fonctions de direction, comme les directions de formation continue, les directions d'innovation pédagogique, quels que soient les termes, les cellules pédagogiques, et plein de aussi se sont réorganisées et travaillent beaucoup plus directement avec les composantes et avec ou directement les départements ou les UFR ou les collégiums. Donc il y a eu un changement aussi pas partout, mais dans de nombreuses directions de formation continue ou de services d'innovation qui vont vers les composantes plutôt que d'attendre qu'elles viennent vers eux. Ce qui a été aussi ce qui existait, ça ne veut pas dire que c'était absent, mais en tout cas pour les endroits où ça n'existait pas, et ça s'est vraiment beaucoup développé. Et il y avait des recrutements aussi qui ont changé. Et c'est des mobilités relativement fortes dans les services aussi de formation continue ou de services d'innovation, où il n'y avait pas forcément des personnes qui étaient formées. C'est-à-dire qu'il y en avait, mais pas que. Et ça, c'est devenu... Là, je pense que Christine ne démentira pas. Voilà, et donc ça pose aussi un certain nombre de questions. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de personnes formées en termes d'ingénierie pédagogique, dans les services dont c'est le métier, c'est difficile d'apporter une expertise aux collègues, en fait.